Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de pages dans le fichier PIBI. Nous allons d'abord commencer. Voilà, on a une qui a compris que c'était maintenant. Nous allons commencer par la leçon 76, page 101. Leçon 76, page 101. Tout le monde est au rendez-vous. Salut les chats. Voilà. Ils viennent vous faire un petit coucou. Pour vous encourager, alors, ici, vous pouvez compter le nombre de fois où je dis « alors, vous avez le droit ». C'est impressionnant. J'ai regardé les vidéos, parce qu'en fait, je ne les regarde pas beaucoup, je les fais. Et j'ai entendu le nombre de fois où je dis « alors », ça doit être fatigant, mais fatigant, fatigant. Hein, Lilou ? Oui, c'est vrai, tu dis tout le temps « alors », mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ici, le petit écureuil a fait ses réserves de noisettes. Il en avait déjà caché 9. Pousse-toi, Bob l'éponge. Il en avait déjà caché 9. Il est allé en chercher 7. Donc, il les rassemble. C'est une addition. Mais eh bien, l'écureuil n'organise pas très bien ses noisettes, donc pour les compter, c'est compliqué. 9 plus 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Bon. Oui, Titi, pousse-toi. Pousse-toi. Alors, Pigbille, lui, il fait aussi 9 dans la boîte. Plus 7 sur le chariot. Mais lui, ses billes sont un petit peu mieux organisées. Alors, comme il additionne 9, 9 c'est presque 10. D'accord ? 9 c'est presque 10. Donc, 9 plus 7, c'est presque 10 plus 7. C'est pas 10 plus 7, mais c'est presque. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer un jeton. Ce jeton, on va le mettre dans la boîte, ici. On va transformer l'addition. Et du coup, au lieu d'avoir 9 plus 7, on a 10 plus 6. Et c'est facile à calculer. 16. Alors ici, dans cette partie-là, on va toujours faire 9 plus quelque chose. 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 Alors personnellement, moi j'aurais fait dans l'autre sens. J'aurais fait 8 plus 9. 3 plus 9. Mais bon, c'est comme ça dans le fichier PIBI. Donc, on n'y peut rien. On va faire avec comme c'est dans le fichier. Je vais me servir de mes barrettes pour faire, par exemple, 9 plus 8. Je vais transformer 9 plus 8, qui n'est pas facile à calculer, en changeant le 9 en 10. D'accord ? Donc, je change le 9 en 10. Et du coup, 9 plus 8, c'est 10 plus 7. Donc j'enlève 1 ici, je le mets avec le 9. Du coup j'ai 10. Et au lieu d'avoir 8, j'ai 7. Et 9 plus 8 devient facile à faire, c'est 10 plus 7, 17. 9 plus 2. 9 plus 2. Donc je vais transformer. Je vais commencer par 10 à la place de 9 et je vais voir de combien ça dépasse 10.
9 plus 2, c'est 10 plus 1. J'enlève 1 ici pour avoir 10. C'est 10 plus 1. 11. J'en fais encore un. 9 plus 5. 9 plus 5. C'est 10 plus combien? C'est 10. 1 de plus ici, 1 de moins ici. Plus 4. 9 plus 5, c'est pareil que 10 plus 4. 14. Alors, pour faire cette ligne-là, toute seule, tout seul, tu fais avec les barrettes la même chose que ce qu'on vient de faire ici. En dessous, il y a des soustractions. Donc là, c'est de l'entraînement. Dans la maison de 6, dans la maison de 8, dans la maison de 9, dans la maison de 10, dans la maison de 7, dans la maison de 9, dans la maison de 8, dans la maison de 7. Tu peux écrire directement le résultat. Si tu as besoin de dessiner ici, dans la maison de 6, c'est 5 et 1, donc 6 moins 5 égale 1. Si tu as besoin de l'écrire, ça, tu l'écris. Le dernier exercice, eh bien, on révise l'écriture des mots nombres. Tu t'appliques en écriture pour écrire le mot nombre en dessous.